Bonjour à tous, c'est Shadowbros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Prince of Persia, l'homme du guerrier. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre aventure alors qu'on a battu l'impératrice maintenant et que je fais déjà une bêtise en commençant. On a à peine commencé qu'on meurt déjà. C'est vraiment ça qui me fait le plus de dégâts et même pas les monstres, sérieusement. Bon allez, on continue. On attend patiemment. Non, 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 pas maintenant, là maintenant. Voilà. Nickel, notre nouvelle arme. L'épée du scorpion. Je veux juste récupérer des armes. Mais arrête! Je veux. Et les autres, ils sont casse-couilles aussi, hein. Voilà. Allez, c'est bon, tu m'as raté. J'ai perdu encore énormément de vie, hein, mais bon. Retourne en arrière, ça fait trop de dégâts ça. Allez, un joli lag. Ah, voilà les monstres que j'aime pas. Allez, tourne. Oh, je les aime pas, vraiment pas. Tu finis comme tous ceux qui t'ont précédé. Tu es immédiatement.
Bon, au moins, il y en a un d'éliminé. Mais je suis à côté de lui. Tu peux me viser lui, sérieusement? Tu vas payer ça très cher. Non mais... Non mais il m'a même pas touché, sérieusement. Youpi! On les a tous éliminés. Mais ma vie, elle a fondu comme neige au soleil, toi. Allez! Voilà. Il y a un coffre là. Il est sérieux, l'autre, il crève jamais. Toi, crève déjà? Mais il est sérieux? Il est doré, sérieusement, il doit crever là! Il voulait pas mourir l'autre! Ouais bah écoute, de toute façon là vous aurez aucun mal, hein, il n'y a pas de point de sauvegarde, et vous êtes tout le temps plusieurs contre moi. T'es mort, arrête de parler, t'es mort, les morts parlent pas. Oh, vous êtes si gentil. Merci. Ouais, mais je sais même pas s'il y a un coffre. Attends, bah, de toute façon...
On peut se soigner et y retourner du coup. Parce qu'il suffit juste d'ouvrir la porte. Attendez, attendez, attendez. J'y retourne. Je peux pas y retourner. C'est une blague. Allez, pousse. Non, je peux pas y retourner. Ok. Moi, je voulais juste me soigner. Bonjour, monsieur. Cette technique, elle marche toujours aussi bien, mais bon, ça risque d'être très lent. En hard, il a toujours plus de vie, hein. Allez, là, t'es mort. Voilà, nickel. Ralentir le temps, ça passe nickel avec lui, hein. C'est ce que je vous conseille de faire si vous galérez avec ce boss. Parce qu'en soi, c'était un boss, oui. Et je l'ai défoncé. En je sais pas trop combien de temps, mais bon, je l'ai défoncé. Non, mais j'étais en train de me protéger. Eh, viens voir. Hop, dégage là-bas. Thank you.
Alors ici c'est important d'y aller parce que il y a de la vie supplémentaire. Non, mais non, mais non, mais non, mais non! Je veux pas mourir comme ça! Pas comme ça, voyons! J'étais à la fin, j'en suis sûr! Et je raterai où, moi? Je raterai là. Tu finis comme tous ceux qui t'ont précédé. J'ai des affaires plus urgentes à régler. À mort, tous ceux qui se trouvent sur mon chemin. Nickel, allez. Allez, on pète cette porte, on pète celle-là là-bas. Et on recommence la vie supplémentaire. Allez. C'est pas comme si on l'avait déjà fait plein de fois. Au moins là, on aura peut-être deux retours en arrière possibles si on se rate. Mais ça suffit, oui. Voilà, on y va, on y va. Eh ben non, on n'y va pas parce que c'est la mort. Bah voilà, c'est ça quand tu veux, il faut faire ça depuis tout à l'heure. Pas faire n'importe quoi. Allez, GG, on a gagné de la vie supplémentaire. J'allais dire, il y a encore des machins qui tournent là. Ouais, bon, c'est bon, ça passe.
Non, 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 fais pas n'importe quoi, je te demande juste de faire ça. Hourra! Allez! Vous savez quoi? J'allais dire qu'on va sauvegarder ici, mais le jeu m'en empêche en me disant nope! On va sauvegarder ici, mais on continue, hein, parce que voilà. On n'a pas encore fini. Allez, un trône et un masque. On n'a toujours pas trouvé le masque, mais c'est pas grave. Au moins, on a une épée pour l'instant. Ah, c'est la bibliothèque. La bibliothèque de Kaelina. Elle doit abriter des siècles de connaissances. J'imagine qu'elle aurait pu m'apprendre beaucoup si les choses avaient été différentes. Ne me décevez pas. Ça commence. Allez, meurs là! Allez, prends l'arme, merci. Non mais allez! Ah!
Qu'est-ce qu'ils sont chiants les mobs. Ouais, je suis en train de les éviter alors. Mais quoi, genre ça me touche. Et puis l'autre elle me terrifie là aussi là. Non mais j'ai... Allez, crève. Tais-toi. Cette douleur, elle est rien du tout comparée à vous, une dame très chiante. Ah oui, c'est vrai que vous êtes casse-couilles là. Mais elle me touche même pas là. Puis elle me tue, hein, bah oui. Hein, ouais. Casse-toi. Mais j'arrive pas à partir parce que je veux éliminer d'abord les connasses là qui viennent dans mon dos là. Ouais, vas-y, crève. Quand tu veux, quand tu je te demande quelque chose, tu le fais. Le mec qui part à la gauche, je demande qui part à la droite. Bah oui, bravo, j'applaudis. Hein. Le mec, il sert à rien, quoi. Il y a tellement de plaisir dans la souffrance. Mais je t'ai pas demandé de courir sur le mur, je t'ai demandé de la frapper. Cette douleur est exquise. Allez, là, je demande, voilà, de faire ça, que je prenne l'arme, et le monsieur, il en fait rien. Crève à la fin, bordel. Qu'est-ce qu'ils sont chiants de ces mobs. Et hop, ça suffit, crève. On va les tuer. Ah.
Mais ils sont chiants, ils sont pleins. Puis je dois faire attention à l'autre qui me frappe pas dans le dos là aussi. Ils sont chiants. Et toi, crève déjà? Il y a tellement de plaisir dans la souffrance. Je me suis protégé, hein. Ouais, bah là, c'est comme ici, je me suis encore protégé, mais rien à faire, hein. Bah oui, allez vous faire, hein. Franchement. La protection, c'est comme mon cul, quoi. Il est en béton, quoi. Il m'énerve, je me protège. Encore une fois, je me protège. Casse-toi, là. Oh, je vous jure, qu'est-ce que ça peut m'énerver, ce genre de choses, quand je dis, quand je demande quelque chose, et que ça ne le fait pas, parce que, voilà... Non, tu t'as pas appuyé, hein, non, t'as menti. Hein. Bah oui, j'appuie littéralement sur le bouton, mais bon... J'hésite à mettre une manette visible, hein, clairement, sur le layout, mais bon. Voilà. Quand je te demande quelque chose, tu le fais. M'énerve. Bah non, regarde, là, je t'ai pas demandé de tomber, hein. Lol. Comme s'il allait m'écouter pour ça. Mais je suis même pas encore à portée, normalement, tu devrais même pas me toucher, là. Parce que si, en soi, j'avance trop... Je saute en soi. Mon personnage va sauter tout seul. Si je continue à avancer pendant que monsieur veut pas, en fait. Les inputs sont vraiment pétés au sol des fois. Hein, ici dans ce jeu. De toute façon, là, allez hop, on va prendre de la vie supplémentaire parce que apparemment on n'a pas encore assez de vie. Je me fais défoncer. Bah oui, pourquoi tu sors ton arme? C'est juste pour de la vie supplémentaire. Voilà. Bon. Avec tout ça, il en restera plus qu'un.
Il ne restera plus qu'une vie supplémentaire pour avoir notre vie au max. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Comme on a l'épée du scorpion, en plus, on peut aller le chercher, hein. Mais bon, il faut d'abord retourner à la salle. Pour pouvoir le récupérer. Je ne vais pas en dire trop pour que vous découvriez en même temps. Mais, pour vous dire en soi, un peu, c'est une salle qu'on a déjà visitée, voilà. De toute façon, pour toutes les vies supplémentaires, n'importe lesquelles, ils seront toujours dans le présent. Bah, dans le passé, pardon, parce que le présent, en soi, c'est l'endroit où tout est pété, donc le passé. Puisque là, on est dans le passé. Voilà, là, il est là. Voilà. Non, ça veut pas. Je vais... Ah non, si, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, hop là. Ça veut pas, ok. C'est pas grave, je vais y arriver. On me coûte du temps. Vite, rejoignons le trône. Et le masque. Quelle diversion? C'était pas une diversion en soi. Bon, bref, du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine où on se retrouve... J'ai l'impression que c'est le mécanisme d'horloge là, qu'on est, mais bon. Bref, du coup, salut et bye bye.